Bienvenue à tous et toutes à ce webinaire avec Gabrielle. Carole, je te passe d'emblée la parole pour que tu introduises ce moment. Oui, merci Lona et merci de modérer ce moment. Je ne serai pas longue, j'avais juste envie de poser l'intention et pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on a souhaité inviter Gabrielle. Donc, ce webinaire s'insère dans nos circonférences du vide qui, à chaque changement de saison, nous amène un intervenant et un enseignement autour du vide. Donc là, on glisse tout doucement vers l'hiver, puisque notre soirée sera le 21 décembre. Donc on est ici en préparation de la transition vers l'hiver et donc d'une transition aussi peut-être vers une forme de vide. Et peut-être juste vous partager, la semaine passée, il m'a été partagé un super beau texte de Christiane Singer qui dit, on pense que quand il n'y a plus rien, quand tout est fini, quand on a l'impression d'avoir tout perdu, on pense qu'il y a le rien. Et en fait, il n'y a pas le rien, en fait. Il n'y a pas le vide. Il y a l'amour, en fait. Donc, quand je pense que je vais arriver à plus rien, en fait, finalement, c'est à l'amour que je touche. L'amour, alors l'amour avec un grand A, l'amour qui est à la base de la création. Et je crois que c'est ça qui m'habite dans ce sujet du vide. C'est et si on laissait plus de place à ce vide en fait, si on s'autorisait à et si j'avais pas peur finalement de plonger dans le vide et de toucher à la plénitude du vide, ben, qu'est-ce qu'il y aurait en fait? À quoi est-ce que je toucherais? Et ce qui m'a terriblement inspirée avec Gabrielle, alors Gabrielle, t'es peut-être pas forcément là pour nous parler du vide, mais de on va dire du vide d'alimentation solide. Et je crois qu'ici, pour moi, l'enjeu, c'est évidemment pas que vous tous ici, vous deveniez pranique. On va pas vous dire de ne plus manger. Mais je crois, Gabriel, que dans ce que toi, tu vis, dans ton expérience et tout ce que tu peux nous partager, je crois, j'espère que c'est de tous nous inspirer, en fait, de comment dans notre vie, on peut aussi s'inspirer de ce que toi, tu vis pour peut-être avoir moins peur du vide, ou bien c'est quoi le vide pour toi, ou bien qu'est-ce qu'on aurait tous à trouver derrière ce vide et en quoi est-ce que ça parle d'amour finalement? Voilà comment j'avais envie de t'introduire et de mettre l'intention. Merci Carole. Bonjour à tout le monde que je ne vois pas. Ma foi, on va éviter les conférences magistrales, universitaires, théoriques, conceptuelles et très ennuyeuses. J'aurais envie de vous suggérer cette introspection qui serait pourquoi être là aujourd'hui, pourquoi être là réunis ensemble autour de la thématique du vide, finalement. En quoi est-ce que le vide vous interpelle, peut-être vous a attiré à ce qu'on soit réunis ensemble ce matin? Et quelle place a aujourd'hui le vide dans votre vie, finalement? C'est vrai que la nourriture pranique invite à apprendre à voyager plus léger dans sa vie. C'est un processus d'allègement. La nourriture pranique, et forcément, quand il n'y a plus rien à manger dans l'assiette, on est plus léger. Et le grand point derrière tout ça, c'est comment je me sens quand l'estomac est vide. Comment est-ce que je me sens avec moi-même au travers de cette perception ou de cette croyance que c'est vide? Quand nous confondons le vide avec le néant, et c'est bien ça dont il est question. Soit le vide est confondu avec le néant, et le néant ben forcément fait peur parce que c'est la peur de mourir, hein, on va se perdre dans le néant. Soit le vide fascine, attire, malgré une certaine appréhension, parce qu'on n'est pas dans une société de vide, on est dans une société de consommation et donc de remplissage en permanence. Regardez la taille des caddies dans les grandes surfaces, ce n'est pas des petits caddies, c'est toujours des gros caddies. Ce n'est qu'un exemple. Et il est de bon ton de remplir sa vie. Jusqu'à dire, j'ai réussi ma vie, j'ai rempli ma vie, tu as eu une vie bien remplie, donc tu as réussi ta vie. Donc, entre néant, vide et réalisation de soi, eh bien, comment est-ce qu'on situerait les choses? Et en fait, tout se passe avec soi-même au final. Le processus pranique, c'est apprendre à voyager plus léger et faire un petit peu plus de place dans sa vie, en en mettant un petit peu moins déjà dans son estomac.
Donc, je vais pas, sauf si question-réponse, bien sûr, mais je vais pas repartir de zéro et tout réexpliquer. Qu'est-ce que le prana? Qu'est-ce que la nature pranique? Mais sinon, peut-être de bien nuancer l'état pranique de la conscience pranique. Parce qu'il y a une grande confusion dans la nourriture pranique. Et à chaque fois, c'est une redécouverte. C'est une surprise pour bien des personnes. Tout le monde est nourri du prana. Tout le monde respire le prana par la respiration, les poumons, par la peau, les pores de la peau. La peau est un troisième poumon, on dit. Les chakras, nous ne pouvons pas vivre sans énergie de vie, sans la particule de photon de lumière, le prana. Et on peut dire, qui plus est d'un point de vue physique quantique, que tout le monde est prana, puisque tout est énergie. Maintenant, pranique, c'est la capacité, à l'issue d'un certain allègement et dans le trop de densité matérielle, physique, corporelle, mais aussi dans le trop de densité d'épaisseur mentale, qui a pris trop de place, le mental, par rapport à la conscience, l'état pranique étant une conséquence qu'il serait possible de vivre sans manger, l'estomac vide, parce que d'être nourri sur un autre plan, le plan vibratoire. Ça, c'est une réalité possible qui n'est pas une réalité à chercher, parce que plus je cherche ça, moins ça marche, parce que ça ne procède pas du mental, ça ne procède pas d'une volonté, et ça procède bien plus d'un lâcher-prise, voire d'un abandon à ce qui est au présent. Je m'abandonne pas. Et c'est la chose la plus difficile à faire, en réalité, pour absolument tout le monde. Le fameux lâcher prise, le surrender en anglais, l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, même quand j'ai l'estomac vide. C'est le plus difficile à faire, il me semble. D'où les petits et les grands deuils qui peuvent être contrariés, pour ne pas dire bloqués. Chez la plupart, on a tous des petits et des grands deuils sous le coude, en attente que ce soit digéré. On est toujours dans la digestion et la nourriture. Et à côté de l'état pranique, vous avez la conscience pranique. La conscience pranique veut dire que vous mangez ou que vous ne mangez plus, pourvu que vous soyez en bonne santé, parce que nourri sur un plan nourrissant, sur tous les plans, eh bien la conscience pranique renverrait à une conscience d'unité. Et les gens qui seraient en conscience d'unité sont pas forcément déjà des gens en état pranique, c'est-à-dire qui ne mangeraient plus. Vous avez des praniques qui ne mangent plus, qui sont un petit peu plus en unité que monsieur, madame, tout le monde, certains beaucoup plus, mais pas forcément absolument accomplis sur ce plan-là. Mais ce n'est pas systématique. Il y a bien des praniques qui disent ne plus manger, qui ne sont pas forcément aboutis en termes de conscience pranique. Par contre, il y a bien plus d'êtres humains établis dans une conscience d'unité, conscience pranique et la conscience du cœur, en réalité, la conscience du cœur. Et la conscience du cœur, c'est l'amour inconditionnel, qui mange encore. Et entre les deux, entre l'état pranique et la conscience pranique, vous avez un curseur. Les uns vont chercher l'état pranique. La majorité de mes stagiaires cherchent à ne plus manger. Et c'est restrictif, ça ne marche pas comme ça. Par contre, l'immense majorité des stagiaires que j'ai pu accompagner, de vous-même qui êtes derrière votre écran, mésestiment, peut-être par ignorance ou peut-être parce que d'autres raisons, mésestiment la question de la conscience pranique, la conscience d'unité. Parce qu'une fois encore, ça relève du lâcher-prise, du non-vouloir, et que c'est quelque chose de très, très, très délicat. Et entre les deux, ben voilà, on est tous en chemin. D'un côté, l'identification à la société de consommation, je remplis mon caddie, je remplis ma bibliothèque, mon armoire, je remplis les tiroirs, le compte en banque, je remplis l'estomac 3 fois par jour. Et puis, de l'autre côté, première trajectoire, c'est l'horizontalité de la vie. Naissance, vie, mort, et je crois que de faire et d'avoir va me rendre plus heureux.
Et de l'autre, on peut y associer à cette horizontale de la vie une certaine trajectoire verticale qui est celle de l'ici et maintenant, en conscience, qui me fait déremplir, alléger mon quotidien, ma maison, mon appartement, mon estomac, et paradoxalement me fait me sentir beaucoup mieux, en lien avec davantage de vide avec moi-même. Ça, c'est étrange parce que c'est paradoxal. Le mental nous a toujours habitués quant au fait qu'on serait mieux en étant plus, en étant mieux, en ayant plus, en faisant plus. Et là, on arrive sur quelque chose de contraire, donc de paradoxal. Donc ça interpelle. Comment est-ce que vous vous situez avec ça finalement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, qu'on est ensemble, réunis? Quelles sont vos attentes par rapport à cette causerie de mon côté, cette réunion ensemble? Quelles seraient vos attentes? Voilà, moi j'avais envie de déjà partager, déjà peut-être aussi à partir de moi. C'est clair que moi j'observe que en fait j'ai plus tendance à aller vers manger, me nourrir quand je suis pas nourrie en fait, quand je suis fondamentalement pas nourrie. J'observe que si je me sens, il y a plusieurs personnes ici qui ont le vocabulaire aussi source. Si je me sens pleinement dans ma source et dans ce que j'aime et dans ce que j'ai envie d'offrir au monde, j'observe que j'ai moins envie de manger. Et j'observe aussi, par contre, que quand j'ai très envie d'être en lien avec les autres, là aussi j'ai envie de manger. Il y a quelque chose de très social, on mange ensemble, on partage, c'est généreux. Et quand je manque de lien, alors là c'est aussi encore plus quand j'ai peut-être envie de manger, de me nourrir, et où je me sens vide en fait. Peut-être c'est vide de lien. Mais j'avais envie de te demander, toi personnellement, et je me doute que ça doit être différent de personne en personne, mais toi, qu'est-ce qui te nourrit du coup? Puisque, voilà, qu'est-ce qui te nourrit d'autre que l'alimentation? Comment tu te nourris? Donc, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Eh bien, fondamentalement, bien moins de mental et bien plus de conscience. Ce que l'Orient, les grandes traditions, les millénaires orientales ont expérimenté et compris, les neurosciences aujourd'hui en Occident valident de plus en plus la santé et le rayonnement au sens large par plus de conscience. Donc avant, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, j'avais une grande bibliothèque, et dans la transition d'arrêter de manger pour se nourrir de façon plus subtile, qui une fois encore n'est pas un but que d'arrêter de manger, eh bien je me suis rendu compte que je lisais de moins en moins, que ça me fatiguait de plus en plus de lire, de faire appel au mental, au cartésien. Et qu'en fait, la véritable nourriture, c'est le fait d'être là au présent. Regardez, c'est très très basique, c'est vraiment basique. J'ai exercé en tant qu'infirmier pendant des années et je me suis spécialisé en gestion du stress. Donc j'ai beaucoup accompagné en sevrage tabagique, alcoolique, et après en gestion du stress pour le grand public, etc., etc. Et on sait bien que le stress est énergétivore. Le stress, par le trop de pensées et d'émotions mal gérées, pompe beaucoup d'énergie et le stress, ça fatigue. Eh bien, la nourriture pranique, c'est diamétralement à l'opposé de l'état de stress. Si je prends une règle, je suis au niveau zéro de stress, je ne suis pas stressé. Plus je vais vers, symboliquement, schématiquement, le cerveau gauche qui est l'analytique et qui active la mécanique du stress, plus je vais me désaligner, plus je vais fatiguer, consommer de l'énergie. Je fais de la gestion du stress, j'arrive à un niveau zéro, donc a priori pas de stress, mais est-ce que c'est un état ultime de réalisation de soi, de rayonnement de soi? C'est un état ordinaire de conscience. Eh bien, si je cultive un état de non-stress vers un état plutôt expansé de conscience déployée, au-delà d'un niveau bêta, au niveau des ondes cérébrales électriques, pour aller vers un état alpha, que je cultive au présent, non seulement je ne suis plus dans un état énergétivore lié au stress, mais dans un état de conscience expansée qui me fait économiser de l'énergie et en plus en produire. La nourriture pranique, il me semble, dans ce que j'ai compris, avec 10-12 ans d'expérimentation de ce sujet, de cette nourriture,
C'est ça, la nourriture pranique, c'est lié à un état de conscience expansée que vous cultivez et que vous vivez au présent, au travers bien sûr de plus d'espace dans votre vie, d'allègement et donc de vide, qui en réalité n'est pas vide puisque tout est plein, tout est énergie. C'est une illusion d'optique par le mental de nous avoir fait croire que quand c'est vide, il n'y a rien et que c'est forcément angoissant parce qu'on doit être forcément mal. Quand on a un frigo vide, une bibliothèque vide, une armoire vide, voilà. Donc, qu'est-ce qui me nourrit? C'est infiniment plus l'état d'être au présent et le fait en plus d'être au présent vous connecte et vous relie à tout. Vous êtes relié à une bien meilleure perception de la couleur des arbres, des fleurs, une bien meilleure perception olfactive des odeurs de l'hiver, de l'automne, etc., etc. Des couleurs des habits, du parfum des fruits. Il n'y a plus besoin de manger le fruit ou le légume. Vous êtes un, relié en unité avec tout ça, et vous êtes nourri parce que relié en unité avec tout ça. Et ça passe par la conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut plus de mental, qu'il faut plus être stressé. Je suis stressé, mais je vis beaucoup plus facilement mon stress quand je suis stressé. Je règle beaucoup plus facilement et rapidement les enjeux, les défis d'être stressé, pour pas dire les problèmes, et je reviens à mon axe, centrage, ancrage, verticalité, reliance, beaucoup plus facilement qu'avant. Donc c'est toujours un équilibre à cultiver. Est-ce qu'il a répondu à ta question, Carole? Ah, super. C'est ça. Forcément, après avoir apprivoisé sa propre relation au vide, parce que ça passe forcément par maîtriser la perception du vide et comment je me sens face au vide avec moi-même. Next question, please. Je laissais un moment de vide. Vas-y, Seba. Oui, merci déjà Gabriel pour ce premier partage. En tout cas, je sens que ce sujet vient vraiment bousculer mes croyances et justement le sujet du lâcher prise dans lequel j'essaie d'avancer. Peut-être la question que j'avais, c'est en tout cas, je sens que j'imagine ça comme un chemin avec un point de bascule à un moment donné. Alors, c'est peut-être pas du tout ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, ce chemin. Et donc, je me dis à quel moment tu as senti peut-être ce point de bascule. Est-ce que c'était un élément déclencheur? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit? Est-ce que, voilà, donc parce que j'imagine aussi être face à plein de peurs dans ce chemin. En tout cas, si moi je m'inscrivais dans ce chemin, je pense que je serais confronté à d'énormes peurs. Et donc, à côté de ça, quels ont aussi été tes points d'appui, quelque part par rapport à ça, parce que j'imagine que ça n'a pas été un chemin non plus tout droit, tout facile, qui a certainement eu voilà, des soubresauts, des hésitations, de la recherche. Donc voilà, donc c'est la question du point de bascule et la question de finalement sur quoi tu t'es appuyé, même si voilà, j'ai entendu revenir à ton ancrage, ton intériorité, je sentais déjà un point d'appui évidemment là-dedans, mais voilà, peut-être que ça va en dire un peu plus. Alors, j'aurais pu commencer en disant, ne croyez rien de ce que je vais vous dire, parce que chacun vit à son niveau ses propres expériences, elles ne sont valables que pour chacun. Étant donné qu'il y a mille façons d'évoluer sur l'axe du mieux-être, de la santé, de la réalisation du bonheur, mais le bonheur à la bonne heure se vit au présent. Et c'est vraiment ça la clé entre projection passé-futur liée au mental, égotique, qui nous déconnecte et nous désaligne, est énergétivore, et reconnexion alignement au présent par le biais d'un équilibre mental-conscience qui fait que nous sommes nourris de cette énergie de la conscience, qui est validée par les neurosciences. Donc, très simplement, le point de bascule, il a été peut-être à plusieurs niveaux, progressivement, sur une historique de vie personnelle, en sachant que les choses ne sont jamais abouties et qu'aujourd'hui, je ne considère pas avoir abouti à quelque chose ou être abouti ou être ultimement réalisé. Donc,
Il faut se rappeler que la nourriture pranique, c'est un particularisme physiologique de la cellule. Ce n'est pas, vous n'êtes pas Dieu en personne parce que vous êtes pranique. Donc ça, c'est important de se le rappeler. En attendant, je mangeais comme monsieur, madame, tout le monde, 3 fois par jour. J'aimais manger, mais j'étais pas forcément un fin gourmet. Et puis, ça faisait quelques années que je pratiquais les soins énergétiques, une dizaine d'années. Et j'entends parler de ce film Lumière, le film Lumière qui relate l'expérience pranique. Comme ça, est-ce que les personnes qui ont vu le film Lumière pourraient lever la main? Ont vu le film Lumière, donc il y en a a priori peut-être la moitié, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qui a fait référence jusque-là, un film réalisé par un Autrichien, Arthur Staubinger, qui fait 89 minutes à peu près. Donc, mon trésorier de l'époque me parle de ça et je rejette totalement l'idée qu'on puisse ne pas manger, ne plus manger, puisque infirmier de formation, cartésien, c'est pas envisageable. Donc, j'ai complètement rejeté l'idée, mais j'ai toujours eu comme pratique, comme posture, de vérifier par l'expérience et non pas de rester sur une croyance. Donc, je suis passé de crétin fini à crétin moyen. En faisant l'expérience que je pouvais avoir. Donc, avant de partir de chez lui, je lui ai dit, comment je dois faire si je veux me renseigner sur le sujet? Et il me dit, tape sur Google Internet Henri Montfort. Donc, Henri Montfort en France, qui a été le précurseur de la nourriture pranique, qui a accompagné en retraite résidentielle pendant une dizaine d'années. Et chez qui je me suis retrouvé en retraite chez lui en juillet 2012. Parce que je me suis inscrit chez lui début 2012. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait mes recherches, j'étais curieux. Et en fait, le mental ego, pour me remplir encore un peu plus, avec une impulsion égotique, de me dire, puisque je pratique les soins énergétiques, je vais voir jusqu'où l'énergie peut m'emmener, je vais me nourrir de l'énergie, je vais arrêter de manger. Donc c'était vraiment une volonté de l'ego. J'en avais pas forcément conscience jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas comme ça que ça marche. Donc j'ai fait une retraite chez Henri Montfort en juillet 2012, mais avant la retraite chez lui, à peu près mars-avril, j'ai un groupe en formation professionnelle, psychocorporelle, et pause déjeuner à midi. Chacun s'installe. Je vais à la boulangerie acheter une pizza fougasse avec de la viande à l'intérieur. Je mangeais de la viande jusqu'à cette époque-là. J'arrive à la boulangerie, il y a du monde. J'attends mon tour. Je regarde par la vitre. C'est bien, il y en a. Je suis content, je me réjouis. Je regarde les fougasses. Et sans rien chercher, sans rien vouloir, c'est superposé à la fougasse physique, matérielle, réelle, une tête de mort vibratoire énergétique que j'ai perçu par effet de clairvoyance, mais sans rien chercher, sans rien vouloir. Ça m'a vraiment, je peux dire, bouleversé parce que j'ai instantanément arrêté de manger de la viande. C'était terminé, j'en ai même pas acheté de cette fougasse. Ça, c'est une première expérience avec le subtil dans la relation à la nourriture. Et puis, vers le mois de mai, à peu près le mois de mai, je vis un rêve, une expérience, une décorporation astrale, sur le plan astral, la nuit, sans l'avoir provoqué, sans avoir cherché quoi que ce soit, où je suis poursuivi par un homme qui veut me tuer avec un couteau. Je suis terrorisé, je cours, c'est dans des souterrains comme ça. Je cours, et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fais face à mon assaillant, j'arrête de courir. Et je lui fais face. Qui a vu le film Divergente numéro 1? Donc, dans Divergente, vous avez la femme qui est dans son fauteuil et qui part dans l'autre dimension et qui est pourchassée par un loup. Et elle fait face au loup qui devient un bébé loup. Donc, le danger est désamorcé. Quand on accueille le danger, il y a un effet de désamorçage qui n'est plus perçu comme un danger par le mental. Parce que c'est plus une histoire de conscience qui prend le relais. Donc, je fais face à l'assaillant et lui reçoit ma peur, je n'ai plus peur, et avec cette peur, il se met
en chien de fusil comme ça par terre, contre un mur, avec un gros ventre. Et sur ma gauche, une présence me tend un sabre. Donc, on est toujours en astral, la nuit, et il me dit, tue-le. Je lui réponds, mais je ne suis pas un assassin. Et il me dit, tue-le. Je vais le tuer, je vais essayer de ne pas lui faire mal. Donc je prends le sabre et j'ouvre délicatement le ventre, comme ça. Je coupe le ventre en deux, comme on coupe un gâteau. À l'époque, je vivais avec une Alsacienne, en Alsace. Et le ventre s'ouvre et sort du ventre une choucroute. Avec le plat qui servait à servir la choucroute, qui sortait de la casserole sur la gazinière, qui n'était pas digérée, qui était tout propre, que je pouvais encore servir pour proposer à manger, tellement c'était beau, quoi. C'était pas digéré. Et donc là, ça veut dire qu'a été coupé le lien ou un certain lien avec la nourriture conventionnelle. Je sors de cette expérience traumatisée, je me retrouve de souterrain, sous terre, veut dire l'inconscient. Sous terre, à la surface, dehors, sur le trottoir. Je suis face à cette présence et je suis là dans tous mes états. J'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Il me dit, c'est bon, arrête et allonge-toi. Comme dans le film Avatar, souvenez-vous, Avatar numéro 1, quand le militaire s'allonge dans le moule et qu'il bascule dans l'autre dimension, c'est-à-dire sur Pandora, eh bien, la présence et moi, on s'allonge en symétrie et je ne fais rien pour ça. On s'allonge et je me retrouve dans un moule et il y a tout un réaménagement subtil qui se fait. Là, j'ouvre les yeux, je sors de ma nuit de sommeil. Donc, il y a eu des choses profondes qui ont été connectées sans que je fasse quoi que ce soit. Et l'histoire qui va vous intéresser suite à ça, c'est que à partir de là, j'ai été 2 ans à maintenir une alimentation qui se résumait à des champignons crus, des gros champignons de Paris crus, et du chocolat. Et de me dire, je ne vais pas lutter contre ça. Alors, ça a été une transition entre nourriture conventionnelle et nourriture lumière, champignons crus et chocolat. Et de me dire, je compose avec ça, je ne vais pas lutter contre ça, je me mets en réceptivité. Le moment venu, quand je pourrai avoir l'information de pourquoi, du comment, ça, eh bien, les choses s'arrêteront en ce moment-là, mais je ne vais pas l'entretenir volontairement, mais je ne vais pas lutter contre. Je suis observateur de cette relation bizarre que je n'avais jamais connue avant. Et un jour vient un insight, en flash de conscience de l'intérieur, donc ça veut dire que ça remonte et ce n'est pas mental. Le champignon me nourrissait en énergie d'ancrage à la terre parce que j'ai toujours été barré un peu là-haut, et donc ça me mettait bien en ancrage à ici et maintenant. Quand j'ai conscientisé ça, instantanément, du jour au lendemain, il n'y a plus besoin de champignons. Et puis, en août 2013, à une quatrième pause alimentaire pranique, j'en ai fait trois en 2012 et une quatrième en 2013, en méditation pranique, je me vois basculer, je me sens basculer à revivre une mémoire cellulaire fœtale, c'est-à-dire je me retrouve dans le ventre de ma mère. Je revis l'état fœtal en étant à l'âge de 45 ans en position assise en train de méditer. Et je prends conscience que j'ai une double nourriture qui arrive dans le ventre de ma mère, a priori qui est la même pour tous les futurs enfants dans le ventre de la mère, c'est-à-dire la nourriture avec les nutriments qui arrivent par le cordon ombilical en lien avec ce que maman a mangé. Et en même temps, je voyais, je percevais. En conscience fœtale, dans le ventre de ma mère, je voyais les particules de lumière qui arrivaient de toutes parts en transplacentaire, sans passer par le cordon. Ça arrivait de toutes parts, parce que le prana, la peau absorbe en permanence. Et je conscientisais d'avoir deux nourritures, d'être nourri de deux manières, le sang fœtal, le prana, et de me dire, de me dire, bah oui, voilà, le chocolat était un substitut affectif pour compenser, caler la mémoire affective, la mémoire fœtale liée au fœtus que j'ai été, qui a manqué d'amour dans le ventre de ma mère. Donc le chocolat, c'était un doudou affectif pour prendre soin, adoucir,
le traumatisme affectif de non-affection du bébé que j'ai été dans le ventre de ma mère. Et quand j'ai conscientisé ça, c'est pareil, le chocolat s'est déprogrammé, la mémoire s'est, elle s'est revisitée, donc elle s'est désamorcée, il n'y a plus besoin de chocolat. Et là, on est au cœur du sujet, le vide et le plein. De quoi est-ce que je me nourris quand je mange? En réalité, et qui en moi je nourris quand je mange? Vous voyez? Alors ça peut être social, ça peut être la faim de l'estomac, bien sûr, mais le plus souvent, on dit bien que, au moins sur la partie de l'hémisphère nord, c'est-à-dire à peu près tous les êtres humains sauf qui sont concernés par la famine, eh bien la tendance, la large tendance, et qui plus est chez nous, c'est de manger bien plus pour se remplir que pour se nourrir. Nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir au regard des véritables besoins du corps physique. Je suis curieuse. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce partage, ce témoignage. Ça veut dire, je suis d'accord, on est d'accord, tu vois. Oui. Ça veut pas dire moyen. Moi, je pensais qu'il fallait que je me taise. Non, pas du tout. C'est bien. Je serais vraiment curieuse de t'entendre juste une petite résonance d'une minute là sur qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, surtout par rapport à ce que tu disais sur le fonctionnement de tes croyances. Qu'est-ce qui résonne là dans ce que Gabriel vient de dire? Bon, écoute, ce qui résonne, c'est que c'est que je voyage aussi. Donc je me suis laissé transporter par ce que tu partageais, et voilà, ça me renvoyait simplement à mon propre chemin, en effet. Enfin, je reste beaucoup avec ce que tu disais, qui est-ce que je nourris? Ça me parlait bien, en fait. Et pourquoi aussi, voilà, l'image du champignon et du chocolat, je trouve, était aussi très forte. Donc voilà, donc je sens qu'il y a quelques graines qui sont plantées en moi. Super, merci Séba. Alors je retrouve plus Damien. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Il est impatient, il lève la main. Attends. Parce que j'avoue que. Merci Gabriel, moi j'ai aussi voyagé. Et j'avoue que mon mental, il est torturé là. Il a vraiment un mal de fou. Alors, ok, j'accepte l'explication que tu consommes moins d'énergie, donc tu as besoin de moins d'apport d'énergie. Admettons même que tu vis une vie qui te réénergise, ok. Mais mon mental, il demande quand même une autre explication. Quid par rapport aux nutriments, puisque depuis qu'on est tout petit, on nous dit que notre corps, pour fonctionner, pour ses cellules, ses organes, etc., a besoin que différentes molécules, différents atomes rentrent dans le corps, soient utilisés, puis soient sortis du corps, et puis il faut bien qu'ils reviennent, puisque à un moment donné, on n'en a plus. Alors, si tu respires de l'air et de la lumière, etc., d'où viennent les molécules, les atomes dont ton corps a besoin? Alors une fois encore, bonne question, très bonne question, mais j'ai déjà répondu à cette question dans le fait que, en introduction, je vous suggère, je vous invite à ne pas me croire, à ne pas croire ce que je dis, à faire vos expériences, numéro un, et que surtout, numéro deux, le but aujourd'hui, et encore plus le 21 décembre, ce n'est absolument pas de vous dire d'arrêter de manger, de vous faire croire que vous serez mieux en étant pranique au point d'arrêter de manger. Je ne fais pas l'apologie, la promotion de l'état pranique. Mon leitmotiv, mon dada, c'est la conscience pranique, la conscience d'unité. C'est, en tant qu'ancien infirmier, professionnel de la santé, davantage de santé dans le respect du corps et être plus heureux dans sa vie, pas forcément en ayant plus, en faisant plus, en ayant plus, mais en étant mieux à partir du rayonnement du cœur. Du rayonnement du cœur, voilà. En étant moins dans le mental égo. Maintenant, au premier degré, j'ai moi-même longtemps buté sur la question qui a été posée, c'est-à-dire que nous, les professionnels de santé, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre sans le potassium. Si vous n'avez pas assez de potassium ou trop de potassium, vous faites un arrêt cardiaque. Il y a des gens qui se suicident au potassium. Et la santé, c'est un équilibre, c'est la fameuse homéostasie. Trop de sel, pas assez de calcium, trop de potassium, pas assez de chlore, fluor, je ne sais pas quoi, fluor c'est autre chose, eh bien la santé est très compromise. Maintenant, comme la nourriture pranique n'est pas étudiée officiellement, sauf par la NASA et l'armée, secrètement, parce que ça les intéresse,
eh bien, on manque cruellement de données objectives qui permettent d'expliquer ce phénomène. Maintenant, j'ai envie de dire que comme tout est énergie, même les nutriments, les protéines, les glucides, les lipides, les électrolytes, même ça, c'est énergie densifiée au point qu'on puisse observer au microscope. Eh bien, si tout est énergie, l'énergie, on peut la prendre à la source et ça marche. Soit on prend l'énergie manifestée avec un transporteur, c'est-à-dire j'ai besoin de potassium, je mange une banane, je mange la banane et je prends le potassium. Soit on prend le potassium à la source sans plus passer par le transporteur, la banane, et on est directement nourri, comme on dit, à la source, c'est-à-dire via le champ unifié quantique. C'est la seule option que je puisse proposer. À défaut de vous amener une preuve, je vous invite à faire vos expériences. Après tout, on n'est pas obligé de croire que c'est mystique. Hein, c'est Padre Pio, c'est Marthe Robin, c'est Thérèse Neumann, c'est Sainte Thérèse d'Avila, ont eux aussi été praniques et qu'ils ont vécu des dizaines d'années sans manger. On n'est pas obligé de le croire, on n'était pas là pour le voir. Donc ne croyez pas ce que je dis. Faites simplement l'expérience de vous donner les moyens de vivre mieux, en meilleure santé, si ce n'est pas encore le cas, et plus heureux dans votre vie. Mais fondamentalement parlant, regardez l'état de la planète, regardez Israël, regardez l'Ukraine. Ce n'est pas avec le mental ego qui prédomine dans nos vies qu'on va être plus heureux. Donc il manque quelque chose, et ce qui manque, c'est un peu plus de vide lié à plus de conscience et d'ouverture du cœur. Que vous mangiez ou pas, ce n'est pas très important, sauf si vous êtes en bonne santé, c'est le critère à respecter. Mais pour moi, la réussite, ce n'est pas d'avoir quelqu'un en face de moi qui arrête de manger depuis 30 ans. Ce n'est pas ça qui est important. Pour moi, quelqu'un qui mange, comme a priori le Christ, Bouddha, Jéhovah, Allah, et qui mangeait a priori, ben, ils ont réalisé des choses qui sont intéressantes pour l'humanité, simplement. Et pourtant, on dit qu'ils mangeaient. Donc, est-ce qu'il vaut mieux arrêter de manger et se prouver que c'est possible et avoir toutes les explications? Mais le mental, il trouvera toujours une faille et un doute. Et oui, mais, oui, mais, oui, mais, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire ses expériences, quoi, tout simplement. Vous savez, il y a 40 ans, les premiers qui ont arrêté les premiers véganes il y a 40 ans, on les prenait pour des fous, pour des cinglés, pour une secte, pour des cas psychiatriques. Des gens qui commençaient à arrêter de manger la viande, on leur disait « mais tu vas mourir, tu vas jamais tenir le coup, mais c'est pas possible, c'est impossible !» Et l'inconnu, par définition, fait peur, parce que l'inconnu renvoie au vide. Le connu, c'est un remplissage, agréable, réconfortant, parce que c'est du connu. Mais l'inconnu fait peur parce que ça renvoie au vide. Alors, Damien, qu'est-ce que ça te dit, cette réponse? J'ai tout compris, c'est bon. Je commence demain. Merveilleux. Non, mais je comprends que la réponse se situe à un autre niveau, évidemment. Enfin, évidemment, sauf que c'est pas si évident. Mais merci pour l'invitation, Gabriel. Mais c'est clair aussi que si je mange de façon standard 3 fois par jour, je n'ai pas le temps, l'organisme n'a pas le temps et de digérer, d'assimiler, et mais aussi de nettoyer. Parce que fondamentalement, la nourriture, elle est surtout industrielle, avec des rajouts industriels pour donner du goût, pour conserver, pour émulsifier, etc., etc., qui sont pas ou peu ou pas du tout digestes et que le corps va stocker dans les articulations, dans les tissus graisseux, etc., etc. Eh bien, si je mange 3 fois par jour, j'ai pas le temps d'assimiler tout ça et de faire le tri, le nettoyage, ce qui fait que je vais forcément, par effet d'encombrement, de manger trop, parce que honnêtement, sauf quand on est bûcheron ou travailleur de force à la mine, manger 3 fois par jour, c'est plus trop justifié aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui, sans être pranique,
mangent un repas essentiellement végétal par jour et qui sont bien plus heureux et en bien meilleure santé. Et pourtant, ils mangent une fois par jour. Mais quand je mange 3 fois par jour, j'encombre, j'encrasse, ça accélère le vieillissement, ça accélère la fatigue et ça fait vivre et vieillir moins bien et mourir plus vite. Ça s'appelle les maladies de la société, les maladies liées à la société de consommation. Maintenant, si je mange mieux, pas forcément moins, ça dépend de votre rapport poids-taille, ça dépend de vos exigences, de vos besoins métaboliques au niveau du corps. Si vous êtes trop maigre, il ne faut pas manger moins, il faut manger plus, parce que trop maigre, ce n'est pas bien non plus, au regard de certains critères. Mais si vous mangez mieux en écoutant davantage le corps, et qu'à ça, vous pouvez jeûner, je rappelle, prix Nobel de médecine. Le prix Nobel de médecine de octobre 2016 a prouvé que jeûner était bon à la santé. On sait aujourd'hui que grâce à l'université de Brasilia au Brésil, étude de 2012, qu'une méditation pranique de 20 minutes par jour, c'est-à-dire qu'au lieu de manger 3 fois, vous mangez 2 fois, et vous faites un troisième repas en mode méditation pranique, eh bien, une méditation pranique de 20 minutes par jour augmente la capacité immunitaire, renforce l'activité des lymphocytes T, les globules blancs chargés de la défense de l'organisme par rapport aux agressions microbiennes. Donc, si vous jeûnez, vous permettez au corps de mieux fonctionner, de mieux digérer, de mieux évacuer ce qu'il a mis de côté qu'il ne peut pas digérer, et de relancer les processus liés à une meilleure santé qui est l'autorégénération, en faisant aussi que les émonctoires, c'est fondamental, les émonctoires fonctionnent mieux. Donc c'est pas simplement où est-ce que je tire le potassium, les protéines et tout si j'arrête de manger, c'est tout un ensemble qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux. Si je rééquilibre ma consommation avec mes véritables besoins sur le plan physique, et à condition que je gère la faim mentale et la faim émotionnelle, parce que c'est la faim mentale et émotionnelle qui fait que nous mangeons trop, trop souvent et trop mal. La véritable question, le véritable défi, il est là. Comment gérer la faim mentale et émotionnelle pour essentiellement arrêter de se remplir pour mieux se nourrir, que vous mangiez ou que vous soyez nourri du prana. De toute façon, tout le monde est nourri du prana et tout le monde est pranique. C'est un faux problème, la nourriture pranique. La nourriture pranique, c'est beaucoup plus une question d'hygiène de vie. Hygiène de vie. Et pas je veux arrêter de manger. Merci beaucoup, Gabriel. Bah, sur ces belles paroles, je proposerai peut-être un petit moment d'intégration. Qu'est-ce que tu en penses? Par là. À toi? Alors, est-ce que vous aimeriez un petit moment d'intégration? Eh bien, si vous le souhaitez, je vous propose une petite intériorisation, introspection pour intégrer peut-être. Et je vous invite à, si vous êtes à l'aise, de fermer les yeux. Vous le souhaiterez à votre rythme. Ouvrir les yeux. Merci à vous tous pour votre participation. Et la soirée du 21 décembre sera essentiellement pratique, donc on aura l'occasion d'aller plus profondément dans tout ça. La première question, Isabelle, effectivement, c'était en quoi consiste la méditation pranique? Alors, méditer, c'est très simple, c'est écouter, ressentir. Que vous vous mettiez en tailleur, que vous appliquiez une méditation codifiée, très technique ou très informelle, comme écouter sa respiration, c'est méditer. Et il me semble que le mérite de la méditation, c'est de l'intégrer au quotidien, dans le quotidien, dans l'ordinaire, la banalité des gestes de tous les jours. Faire la vaisselle, sortir les poubelles, sortir le chien, aller au travail, conduire sa voiture. L'état méditatif est un état de connexion, de reliance à quelque chose de plus grand que la conscience ordinaire mentale et qui permet d'entretenir la cohérence tête-corps, l'alignement
mais aussi une certaine captation au prana, le rendu plus facile. C'est intéressant de ce point de vue-là. La méditation pranique, quelle que soit la forme, elle peut se vivre assis, debout, allongé, en statique ou en dynamique, en marchant. La marche en conscience de Thich Nhat Hanh peut devenir une méditation pranique. Donc, pour moi, il y a trois paramètres de la méditation pranique. Elle doit nourrir la cellule. Elle doit favoriser l'alignement des quatre plans de la santé, physique, mental, émotionnel, spirituel, et expanser à un niveau de conscience supérieur pour transcender l'état ordinaire lié au mental. Nourrir la cellule, aligner et expanser la conscience. Là, on parle de méditation pranique. Merci Isabelle, est-ce que ça répond à ta question? Elle dit oui en silence. Vous pouvez parler, hein? Oui, oui, merci, merci Gabrielle. Alors, Lewis posait une question qui fait le lien, je trouve. C'était d'où vient la carence affective lors de l'état de fœtus? D'où vient la carence affective lors de l'état fœtal. Lors de l'état fœtal. Eh bien, c'est la trajectoire karmique, tout simplement. Pourquoi nous avons eu tel parent? Alors après, une fois encore, je ne vous demande pas de croire à ce que je dis, hein, mais pourquoi nous avons eu telle mère, tel père? Pourquoi nous sommes nés dans tel pays, sur tel continent et pas ailleurs? Pourquoi nous n'avons pas été enfants nés au Soudan et morts de la famine? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas nés dans une famille très aisée, très riche, avec toutes les facilités? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Eh bien, il me semble qu'après, il y a une réponse possible, c'est la trajectoire karmique. J'ai donné conférence à Namur, chez vous, à Namur, il y a quelques années, et dans la salle, il y avait une policière des renseignements généraux de Namur, qui était très intéressée par la nourriture pranique, elle venait pas me surveiller, elle venait écouter. Et elle avait plein de questions par mail, et je lui dis, écoutez, venez à la conférence, et puis on prendra un temps, venez en avance, et je viendrai, on va discuter un peu, avant de commencer la conférence. Je suis allé la retrouver là où elle était assise dans la salle, et elle me dit, oui, alors vous, c'est quoi votre but au-delà de la nourriture pranique? Vous cherchez quoi là-dedans? Et je n'ai eu aucune difficulté, quand bien même policière, de lui dire, quittez le samsara. Quitter le samsara, c'est-à-dire s'affranchir d'une certaine notion du karma qui nous fait revenir et revenir et recommencer, et revenir et recommencer, parce qu'on est à l'école, il me semble qu'on est à l'école et que le but c'est de passer aux classes supérieures, quoi. Donc après, ça renvoie à chacun, bien sûr, mais la carence affective, elle naissait tout simplement, me concernant, d'avoir connu la mère que j'ai eue aujourd'hui, de l'avoir connue comme petite fille au début du XXe siècle, en tant que père, et j'ai eu une petite fille qui était ma fille au début du XXe et qui est devenue ma mère aujourd'hui. Voilà, tout simplement. S'il y a eu carence affective, c'est peut-être parce que moi, je m'en suis mal occupé en tant que papa. Peut-être. Je ne vous en dirai pas plus, mais bon, voilà. J'ai ces informations-là. L'eau, en fait. Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu bois tout court? Et quel est ton rapport à l'eau? Alors, tout moteur a besoin d'énergie. Aucun moteur ne peut fonctionner sans énergie. Donc, on peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas se nourrir. D'une manière ou d'une autre, il faut de l'énergie. Donc, on peut rester des années sans manger, à condition d'être nourri, relayé au champ quantique. Une fois encore, ce n'est pas un but à rechercher, c'est une conséquence qui s'installe ou qui ne s'installe pas, un aboutissement possible d'une hygiène de vie optimisée, mais il est aussi possible de vivre sans boire. Me concernant, je n'ai pas soif, mais j'adore boire, en particulier du chaud. Je ne bois pas l'eau froide, je n'aime pas l'eau froide, et j'aime bien le thé. Alors pendant des années, je ne buvais que du thé au jasmin, maintenant je bois du thé blanc. Et puis peut-être qu'un jour, on verra. Bon, là, j'adore le thé blanc, je bois une tasse ou deux par jour. Voilà. Maintenant, la théorie qui fait dire qu'on peut vivre sans boire, il y a plusieurs réponses possibles. C'est que quand nous respirons,
nous inhalons aussi des particules d'eau en suspension. On s'hydrate de façon modérée en respirant. Ça, c'est une chose. Ça ne sera pas suffisant. Après, nous avons surtout besoin de boire quand nous mangeons. Nous, c'est le collectif, parce que toute usine a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Et quand vous mangez, les grosses molécules ont besoin d'eau pour dégrader en petites molécules. Si vous ne mangez pas, vous avez très peu soif. On sait ça dans les maisons de retraite. Les personnes âgées ont souvent un problème de déshydratation parce que comme elles mangent très peu, souvent, elles ne boivent pas assez. Troisième explication, c'est le professeur de physique quantique et spécialiste de la biologie de l'eau à l'Université de Strasbourg, son nom m'échappe mais ça va revenir, qui a démontré que tout organisme vivant... Marc-Henri, très bien, merci. Tout corps humain produit 250 millilitres d'eau juvénile par 24 heures. Donc même sans boire, le corps produit de l'eau. Un quart de litre d'eau par 24 heures, qu'il appelle l'eau juvénile, qui a été démontré scientifiquement. Donc c'est intéressant, une fois encore, on connaît très mal tout ça. Voilà. En tout cas, j'aime bien boire du chaud. Et puis, vous savez, autre façon de s'hydrater et de boire, c'est que quand bien même vous ne buvez pas, tous les matins ou tous les soirs, vous prenez une douche et le corps pompe de l'eau par les pores de la peau. Ça, c'est avéré. Mes stagiaires, et il y en a une parmi vous qui s'appelle Anne, qui est là aujourd'hui avec vous, en retraite dans sa deuxième semaine sur un 21 jours de pause alimentaire pranique, ici même en Charente-Maritime. Salut Anne. Et mes stagiaires savent très bien que le jour de la pesée, une fois par semaine, s'ils prennent le poids avant, s'ils se pèsent avant et juste après une douche, la plupart auront pris jusqu'à 300 millilitres d'eau par la peau et qui se valident au niveau de la balance à quelques minutes d'intervalle. Merci. Bienvenue à iPhone de Ferdinand. Je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un vient de rentrer dans la salle, donc bienvenue à toi. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je voulais inviter Théo à parler pour préciser peut-être sa question. Oui, donc à plusieurs moments, vous avez fait référence en connexion à un champ quantique. Et je ne sais pas très bien à quoi ça réfère. Et donc voilà, j'aurais aimé que vous élaboriez un petit peu à ce niveau-là et m'aider à comprendre cette nuance ou cette chose, je ne sais pas. La bonne question, n'étant pas moi-même physicien quantique, j'aurais du mal de l'expliquer. On va dire que ce que les scientifiques appellent le champ unifié quantique, les bouddhistes l'appellent l'océan de vie et les religieux, les croyants l'appellent le divin ou Dieu. Bon, dans l'absolu, c'est pas forcément la même chose, mais c'est cet espace infini, illimité, le vide, qui en réalité n'est pas vide et il est plein. Il est plein d'énergie et l'énergie véhicule de l'information est pleine d'informations. Champ unifié, c'est-à-dire qu'au-delà, au-delà de la dualité qui nous désunit. Derrière le champ unifié, on a la notion de unité versus dualité. Tant qu'on est dans la dualité, on ne peut pas relier et unir. Et là, vous avez la clé, à la fois du vide et du plein, mais aussi de la nourriture pranique et de l'état pranique, qui est que tant que je suis dans la dualité, je crée... Je mange de l'énergie et j'ai besoin de compenser par remplissage parce que je suis mu par une mécanique liée au mental égo qui me fait croire qui plus est que si je ne mange pas, je meurs. Inversement, si je suis relié dans ma globalité en unité avec moi-même, par effet de résonance quantique, je me relie en unité au tout parce que c'est lié à la conscience. Et donc, je fais l'effet inverse. Je ne
dépense plus autant d'énergie qu'il a besoin et en plus j'en économise, c'est l'effet de la dynamo. La nourriture pranique, ça a un effet de dynamo spirituel à partir d'une dynamo cellulaire. Et en plus, je produis l'énergie et je suis un avec, beaucoup plus un avec que je n'étais avant. Mental ego, dualité, conscience d'unité, ouverture, rayonnement du cœur, l'unité, reliance. C'est très compliqué d'envisager ça tant qu'on est dans le mental. Mais par rapport à cette notion de l'unité, tout à l'heure, il y a 5 minutes, quand vous avez ouvert cet espace, un peu plus ouvert cet espace du rayon, qui permet de rayonner bien plus au niveau du cœur, la conscience du cœur, plus vous expérimentez ça et plus vous ressentez qu'il y a une notion de vide et qu'il y a une espèce de vide, mais qui est une globalité pleine et qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas de décalage, que c'est un tout indivisible, sauf quand le mental intervient et qui veut me faire croire autre chose. Les grands mystiques, les grands éveillés de l'Orient, Nisargadatta, Ramana Maharshi, etc., etc., parlent de la réalisation du grand soi. Alors évidemment, c'était des gens qui mangeaient, mais plus vous vous éveillez à une autre réalité, celle du rayonnement du cœur, il y a plus d'unité, moins il y a besoin de manger, et ça c'est intéressant. Et plus je suis en relation avec le vide, moins le vide ne me fait peur. Plus je suis dans le mental ego, plus je suis dans la performance, parce que la société nous pousse à ça. Il faut être bon partout, il faut avoir des bonnes notes à l'école, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir la meilleure voiture, la plus belle maison, etc. Le paraître, la performance. Plus vous lâchez tout ça parce que vous rééquilibrez le mental et la conscience, vous ouvrez le cœur, moins vous laissez l'ego piloter tout ça, et plus vous lâchez de la performance, moins vous êtes stressé, moins il y aura d'arrêt cardiaque, et plus vous devenez contemplatif. C'est la vie des mystiques. Contemplatif est la véritable nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger, hein, mais la véritable nourriture, c'est celle du cœur et d'être relié bien plus que d'être divisé, d'abord avec soi-même. C'est parce que nous sommes divisés avec nous-mêmes que nous mangeons trop, trop souvent, trop mal. Alors, ce que je vous propose, alors déjà, vous êtes chaleureusement tous invités, pour ceux qui n'ont pas encore confirmé, à nous rejoindre le 21 décembre pour continuer cette exploration dans le corps, dans le cœur, dans l'expérience et dans l'ensemble et dans la présence aussi. On a vraiment un très chouette lieu à la ferme de Froidmont qui nous accueille pour cette soirée. Et peut-être, si chacun, cette fois-ci, en allumant son micro, peut dire une chose. Un mot ou une phrase sur ce avec quoi il repart ou ce qui est vivant en lui ou elle pour l'instant après avoir entendu le témoignage de Gabriel. Et je propose de recommencer par l'équipe. Voilà, quand vous êtes prêts. Moi, je veux bien partager, je vais vraiment mettre l'intention d'être brève pour pouvoir entendre tout le monde, mais moi, ce qui me reste en tout cas, c'est quelque chose de, quand je t'entendais, Gabriel, peut-être que quelque part, ce qui se passe dans mon corps, si je suis reliée à tout, et en fait, ce qui se passe dans la société, donc à quel point je m'encrasse, à quel point je me remplis, et aussi ce qui se passe autour de moi, à quel point le monde est encrassé, pollué, et écrasé peut-être aussi par plein de choses, et c'est un bel acte d'amour finalement, de si je me relie à moi, ben... peut aussi me relier à tout ce qui est, quoi. Merci. Si je peux me permettre, tu viens de dire autrement ce que les grands comme Sri Aurobindo et d'autres ont bien dit pareil, c'est-à-dire si nous voulons voir changer le monde, c'est d'abord avec soi-même que nous devons évoluer. Initions, incarnons le changement et en résonance quantique, nous inviterons le monde à changer plus facilement aussi. Le changement passe par soi-même. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour améliorer les choses avec moi-même?
Donc moi j'avais envie de te remercier et juste de partager que je sens que ça circule en moi et ouais, je sens que c'est vivant. Merci. Et moi je dirais juste merci pour une contribution à mon ouverture de conscience. Merci Gabriel. Et je souhaiterais peut-être poser un tout petit point, c'est que dans ce champ, nous sommes toute forme de vie ultra interconnectée, et il me semble que ça participe aussi à la complétude, à la conscience, à l'intelligence collective, et probablement à terme une forme de réalisation. Moi, j'ai envie d'abord de dire merci et que ça résonne en moi entre une aspiration que j'ai depuis longtemps, c'est d'alléger ma maison, de trier, de donner, de partager. Et qu'au niveau alimentation, ben, ça reste encore un peu difficile parce que j'aime bien de grignoter, j'aime bien de la douceur. Et donc, je suis interpellée par tout ce que tu as partagé, Gabriel. Je te dis merci, ça me permet de continuer à avancer sur le chemin. Merci. Merci Christiane et merci Gabriel ben, pour ce que tu viens de donner et que ben, véritablement je vais digérer. Donc, c'était la preuve par quatre pour recevoir des tas de choses qui ne sont pas de la nourriture conventionnelle et qui nous nourrissent. Et ben, je suis aussi dans une démarche, de, comme disait Christiane, de désencombrement, d'allègement. J'étais très touchée quand tu disais qu'on confondait la notion du vide avec la notion du néant. Donc, ça m'a bien... c'est un point d'appui pour moi, ce que tu as dit là. Voilà. Merci beaucoup. Mais je te remercie, Gabriel, de me rappeler tout ça que j'ai déjà visité, que je connais un petit peu. Mais j'ai besoin de trouver le temps de la méditation. Parce que c'est comme si je remplissais mes journées avec trop de choses. Et j'aspire à ça aussi, à trouver ce temps de calme intérieur que je trouve plus dans la nature. J'ai l'impression que je suis nourrie quand je me promène dans la nature. Ou en tout cas, c'est pas une impression, c'est une réalité. Alors moi, je voulais dire un énorme merci. Je sors d'une semaine de jeûne où j'ai rencontré Dominique Verga, qui est aussi dans ce chemin pranique depuis 7 ans. Et moi, ce qui me fait avancer, c'est les gens inspirants. Et donc, j'ai la chance d'être inspirée ce midi. Et c'est ça qui me fait agir. Et là, je ne suis plus trop dans mon mental et donc ça y est, je vais m'alléger concrètement et j'ai décidé le lundi, maintenant, je vais jeûner tous les lundis. Alors, c'est ma petite pierre à l'édifice, mais ça me met en joie plutôt que de stresser parce que cette semaine-là, j'ai bien stressé, c'était très compliqué. Mais là, ça me met en joie de continuer ce chemin à mon rythme, doucement, en nettoyant ce que je peux. Et donc voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour ce témoignage. Moi, ce que je retiens ou ce que j'aurais envie d'amener plus dans ma vie, c'est plus de simplicité. Ça m'a bien connecté. J'ai bien connecté avec cette notion-là. S'alléger, être plus simple, simplifier les choses. Et peut-être que je lie la nourriture aussi à ça. C'est, quand c'est pas simple, y a besoin d'ajouter quelque chose, quoi. Et je pense que la nourriture fait parfois, chez moi en tout cas, le trait d'union. Voilà, merci. Un grand merci à l'équipe organisatrice et à toi, Gabriel, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer chez Peter. J'ai aussi eu l'occasion de faire un stage avec Dominique Verga et c'est vraiment quelque chose qui m'attire, cette pratique. Et voilà, mais c'est tout un chemin et sans prétention d'être praniste ou pas être praniste, comme tu l'exprimes bien, ça ne doit pas être un choix de mental. C'est pour nous ou pas. Mais c'est tout ce travail qu'on fait sur soi qui est vraiment intéressant, ce travail
de se dépouiller de tout ce qui nous encombre, en fait. Et ça se reflète aussi ben, dans notre habitation, dans nos relations même, d'aller plus vers l'essentiel et vers ce qui nous porte, ce qui nous nourrit aussi au niveau relationnel. C'est vraiment si important de soigner ça. Et vaut mieux moins que de mauvaise qualité. Voilà. Merci, merci. Moi, j'étais aussi fort interpellé. Voilà, c'est un vieux truc, l'histoire, la nourriture et moi, le jeûne. Mais j'entendais surtout cette idée du trop dans nos vies. Et pour ne pas m'étendre, il y a un point qui m'a semblé intéressant. Carole en parlait tout à l'heure, c'est le fait que finalement, on ne digère pas, on ne mange pas que de la nourriture. On mange aussi des quantités de choses qu'on lit, qu'on trouve sur Internet, qu'on... Et ma vie est voilà, vraiment encombrée d'infos que je consomme, de citations, de paroles que je vais chercher à gauche, à droite chez des gens qui sont intéressants, évidemment, mais a priori, il y a peut-être un peu trop. Voilà. Et je passe la parole à Sandrine. Merci Gabriel, j'étais vraiment très très touchée par ce témoignage. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai découvert récemment le filage de la laine. Et en fait, c'est quelque chose qui me nourrit quand je le fais. C'était vraiment en fait d'être moins occupée par des lectures ou d'autres activités, d'avoir ce vide. Je me rends compte que c'est quelque chose qui me nourrit et me donne de l'énergie pour aussi libérer des choses dans les armoires. Parce que ben voilà, il y a tellement de souvenirs, comme avec la nourriture. Donc ça. Et alors une autre petite chose que Véronique avait relevée, c'était la notion que tu avais évoquée entre le vide et le néant, et la peur de la dissolution. Et ça m'a interpellée en fait, ça a redonné une sorte de consistance sur un éclairage sur les peurs qui sont là. Donc un tout tout grand merci Gabriel, merci Ilona, merci à vous tous. Moi, c'est avec quoi je repars? C'est la découverte d'un petit espace dans mon cœur que je n'avais pas encore beaucoup exploré, et voire pas du tout. Et donc voilà, je repars avec l'envie d'explorer un petit peu plus cet espace dans mon cœur. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel, et merci à l'équipe organisatrice. C'était vraiment génial, un très très beau voyage avec des belles ouvertures de conscience et des belles pistes à explorer. Un immense merci. Je passe la parole à Judith. Le grand merci pour avoir rendu ça possible et présenter ce avec quoi tu es occupée. Et je repars avec est-ce que je me nourris ou est-ce que je me remplis? Oui, ben voilà, je remercie aussi pour ton témoignage, Gabriel. Et moi, je repars avec l'idée de moins consommer et de plus m'écouter, et en m'écoutant plus, sentir naître un espace, peut-être pour une petite flamme intérieure qui peut grandir, un espace pour de la création. Moi, c'est gratitude à Gabriel, gratitude à l'équipe organisatrice. Et je repars avec me remettre à méditer. Voilà. Très chouette. Et je repars avec la phrase qui je nourris en moi quand je mange ou quand je remplis mon ordinateur ou ma bibliothèque ou mon temps. Voilà, c'est vraiment une question clé que j'ai envie de me poser. Merci beaucoup. Merci Gabriel, ravi de te revoir aujourd'hui. Moi, je repars avec une question qui est comment augmenter ma capacité et ma qualité de présence? En tout cas, merci pour la présentation, pour l'esprit des différents participants. Et à la suite, le 21 décembre, de toute façon. Super, merci Jean. Bien voilà, mais écoute Gabriel, est-ce que toi tu as envie de dire un mot de clôture? Avec quoi tu repars de ce moment? En tout cas, infiniment merci pour votre accueil, pour votre présence, peut-être pour nous retrouver le 21 décembre
chez vous. Une fois encore, s'il y avait un message dans la nourriture pranique, c'est celui de l'allègement, que les gens mangent ou qu'ils ne mangent pas, mais d'être mieux dans sa tête et dans son corps à partir de plus de qualité d'être au travers du véritable QG, quartier général, je précise, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le QG, qui n'est pas le mental, mais qu'en composant avec le mental, nous soyons bien plus ouverts et rayonnants à partir du cœur. Voilà. Donc, comment augmenter ma capacité de présence pour la question de Jean-Charles, je pense que ça concerne potentiellement tout le monde, et bien d'être beaucoup plus ici maintenant au présent au travers de la sensorialité, prendre conscience de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous respirons, qui est aussi une nourriture, les organes des sens. En fait, tout est énergie et donc tout est nourriture, et tout se vit au présent, et la véritable reliance, l'état méditatif, il est véritablement ici au présent. Voilà. Et les choses se rééquilibrent d'elles-mêmes. Trop de mental, ça fait moins de mental, mais plus en harmonie avec plus de conscience. Plus trop d'ego, moins d'ego et plus de cœur. Et il y aura toujours un peu d'ego et c'est pas grave. Super, ben bien, merci. Merci pour votre présence à tous. Hâte de vous revoir le 21 décembre. Carole, je te laisse vraiment le dernier mot. Moi, je vous dis déjà à tout bientôt et bonne digestion. Et bonne exploration du vide qui n'est pas néant. Ben, dernier mot, je repars avec vraiment une sensation de envie de vide, en vide, voilà. Et envie de vous revoir le 21 décembre pour explorer ça ensemble. Vraiment très très envie de mettre ça en pratique et de danser ensemble avec tout ça. Bon après-midi à tous. Merci à vous.